Dans cette vidéo, je t'avais parlé plus en détail des raisons qui poussaient un auteur à choisir tel ou tel nom pour les lieux de son histoire. Va la voir, elle est super intéressante. Pour les noms des personnages, on retrouve parfois les mêmes logiques, mais pas pour Bernardin de Saint-Pierre, je t'explique. Le 21 janvier 1814 meurt l'écrivain français Bernardin de Saint-Pierre. Alors son nom vous dit probablement rien, mais peut-être plus son roman le plus connu qui s'appelle Paul et Virginie et qui va être cité notamment dans Madame Bovary de Flaubert, qui va être cité dans Bel Ami de Maupassant et dans tout un tas d'œuvres majeures du 19e siècle. Donc c'est un roman qui a vraiment marqué son époque. Et les deux prénoms des personnages principaux, à savoir Paul et Virginie, ne sortent pas de nulle part, puisque pour son premier mariage, Bernardin de Saint-Pierre a eu deux enfants, Paul et Virginie. Voilà, voilà.